De la pelouse à la terre battue. Ces ex-joueurs de football sont en compétition. Ils participent à la deuxième édition du Challenge Bowl, un tournoi de tennis qui réunit des professionnels du ballon rond. Parmi eux, Sylvain Wiltord, l'ancien champion d'Europe, se bat sur chaque point. Il n'y a que des anciens footeux, on a l'habitude de jouer des matchs à haut niveau, même si on respecte toujours notre adversaire, même si c'est un peu plus décontracté, c'est un pote. Mais bon, je suis là pour la victoire, je suis là pour gagner. Pour Lionel Letizy, la victoire n'est pas essentielle. L'ancien gardien de l'OGC Nice profite de cette journée pour améliorer sa technique. Là, il faut que j'apprenne à servir quand même, mieux. Pourquoi? Parce que c'est un bon point faible. Avec le revers et le coup droit. J'ai l'habitude, ça fait déjà 7-8 ans que je parcours un peu tous les clubs. Parce que quand on arrête le foot, faut trouver un sport qui fait pas mal aux genoux, pas mal au dos. Donc le tennis, c'est vrai qu'on peut jouer dans toutes les catégories, à tous les niveaux, sans se faire trop mal. Sur terre battue, c'est encore plus agréable. Ce tournoi, uniquement entre professionnels, séduit de plus en plus les sportifs. L'an prochain, il se déroulera sur 2 jours.